bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of Wars. On continue notre petite journée studieuse, journée apprentissage de leçons et écriture. Lecture. Hop là, alors ici on a trouvé un Silver Splinter, alors ça c'est très très bon ça. Des conteneurs et tout. Sympa, tu voulais pas l'ouvrir et je te dis il y aura peut-être des sous dedans. Voilà, c'est moi qui avais raison. Alors, on a récupéré tous les souvenirs qu'on voulait, donc on va pouvoir attaquer notre leçon. Tac, donc c'est parti. Il nous faut ça, il nous faut une memory. Et il nous faut triste. Pourquoi t'es triste ? Hop là. Du coup, est-ce qu'on peut les fusionner ? Avoir une gold, donc ça va être le max. Gold, c'est le max. Par contre, mais à quel moment il faut péter de thunes pour aller le transformer en fil, quoi. Après, fil d'or, c'est cool, hein, mais c'est tellement rare, je trouve, pour le moment. Je n'ai pas encore trouvé comment le générer efficacement. Alors, c'est qui ça? La princesse coquille Amirijibi. Artiste, socialite. Comment qui profite des fêtes sociales, mendiante, une femme extrêmement charmante, avec un kink pour être adoptée. Ok. Un talent pour être adoptée. Alors, elle parle le grec, elle parle le vac, intéressant, mais. On va voir ce qu'elle veut déjà. J'espère qu'elle est pas aussi bizarre que celle d'avant. Je pense qu'ils sont tous bizarres. De toute façon, globalement, pour venir à Bankrook, faut être pas tout à fait sec, quoi. Bah oui. Espèce de heurte, et en plus dans une langue qu'on parle pas. Ça calme. Et là, 8 de Nock, ça parle de quoi? Gretzing en Gretzkars. Ouais, bon, pas ouf, mais au moins on peut le faire. Donc, nous, on va te ranger. T'es pas maudit. Je crois qu'il y a un livre qu'on n'a pas regardé s'il était maudit avant de le ranger. Ouais, ça, normalement, ça apparaît, c'est quand même visible. Là, c'est des symboles. Bon, déjà, si c'est une infestation, ça saute aux yeux. Et même cela, il y a un symbole en trop, en fait. Oui. Donc, normalement, je le vois assez facilement. Alors, ici. Machine. Alors, ma chère. Allô. J'ai une toute petite faveur à vous demander. Alors, on peut lui demander d'apprendre le vac. Le vac, on en a des livres en vac. Hein. Ah, ça fait pas clignoter, c'est dommage. Je suis quasiment sûr qu'on en a. Tant. Ouais, là, par exemple, ça, il y a vague, bon, c'est du 14. Est-ce que je peux, là, peut-être le faire clignoter, du coup. Ouais, ça clignote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, 14 en forge. Ouais, non, c'est bon, c'est pas encore dans nos cordes. Alors, le cas le plus révoltant de verre que j'ai jamais vu. C'est dégueu. J'avoue que c'est assez dégueu. Alors, il va lui falloir un livre de type Nock. Alors, les officiels locaux l'avaient dans une boîte. Donc, on sait où sont les choses. Bah, ce qui m'intéresse, moi, darling, c'est d'où ils viennent. Je ne crois pas avoir jamais vu quelque chose de ce genre à Cracovie, en tout cas pas depuis la guerre. On est en 1936, hein. À cette époque-là. On l'a lu, le Tantrum of Worms. Ouais, mais j'étais en train de me dire que si ça se trouve, il lui faudrait un bouquin infesté, mais je crois pas qu'on ait de type Knock. Là, il avait carrément rien. Ah non, il est là. 'Tantra of the Worm, mais c'était pas un livre. Toc, où est-ce qu'il peut être? Dans Fear. Alors attends.
c'était... Ah, mais je crois que c'était un... Déjà, c'était un... Un parchemin. C'était un tantra. Il y a des bonnes chances que c'était un parchemin. Non, pas raté. Alors, TW, TOW. Ouais, c'est du scale. Donc, ça marche pas. Du coup, elle veut 3 de knock. Si je lui en donne un. Ça a l'air d'être content. Le trésor des places souterraines. Oui, mais en même temps, c'est pas mal. Putain, j'avais pas regardé d'où il venait. Quel crétin. Si je ferme, il retourne là où il est. Non. Pas grave, il est marqué dans le truc. Oui, on a. C'est vrai qu'on a le carnet. Je te laisse chercher le traité des Under's Place. Ah tiens, si je lui donne celui-là, peut pas lire le latin. Franchement. C'est fier, ok. King sait pas lire le latin. Donc Traveling at Night, c'est un Impulse. Est-ce qu'on met le même truc? Le même truc. Toc, toc, toc. Avec un 6 qui a déjà été lu. Pareil. Peut lire le latin. On n'a aucun mystery knock en attente, si. Ce qui me semblait. Là, on a quoi? The Wedding Stair. Peut lire le Ramsung. Peut pas lire le Ramsung, mais franchement, quoi. Allô? Gorgor. Ça donne du sens. Ogor, ogor, ogor. Tissilac, ogor. Bon. Visiblement, c'est pas une réussite. Il y a celui-là, mais c'est tout. Est-ce qu'il faudrait, hein, peut-être, hein, peut-être qu'en fait le principe c'est de trouver celui qui lui va, mais avec les bonnes conditions, donc peut-être qu'il en faudrait un qui est infesté. Hein. Et celui qu'on a en haut. Celui-là j'ai essayé, c'est pareil. Enfin non, on peut pas lire le latin. Mais pour l'instant, tous ceux qu'on a trouvés, ils ont le même truc. Bah écoute, on va... Je vois pas le rapport avec l'épée Ebrael à Cracovie, mais bon. Admettons. Admettons. Et dire. On va pas la vexer. Hein. Alors, on va attendre d'avoir fait notre leçon. Et une fois qu'on aura fait notre leçon, on cataloguera 2-3 trucs. Hop là. Level 2. Vas-y, reviens. Hop, hop, et un effort. Level 3. Fait chier. Contre-ange. Alors, j'ai utilisé mes chaptes, ouais, donc j'ai pas mon knock, donc ça attendra demain. Mais on va pouvoir en cataloguer un peu plus, je pense. Ce qu'on a mis de côté. Voilà, ce qu'on a mis de côté, ils sont là. Oui, je pensais ceux qui nous restent qu'on n'a pas encore lu. Ah, ce qu'on n'a pas encore lu, non, on a fait le tour il y a pas longtemps. Je me semblais qu'on n'avait pas fait tout le tour, justement. Hop. Il reste 3 trucs, on va les travailler un peu. C'est parti, et avec ces deux-là, on va cataloguer. Est-ce que je peux cataloguer avec Faust? Parfait. Et ça, c'est du Edge. Je crois que je peux cataloguer là avec le Edge. Raté. C'est parti.
Alors, on a masterisé JV, Just Verse, qui nous apprend un pattern. Tous les pages. Bah oui, c'est le truc qui a vu la bosse dans le cahier. C'est le principe du crayon. Alors, pattern. C'est Forge Enoch 2. Or... Donc ça nous apprend quoi? C'est un truc qu'on n'a pas ça. Si je crois Oh, qu'on si, on l'a celui-là. l'a. Ouais. Bah du coup on va pouvoir le passer. Non parce qu'on n'a plus de. On n'a plus de. De trucs reposés. Mais de toute façon. Oui, on va mettre C'était. le fogo dodo, de toute façon. Ou pattern, ou... Non mais on... là il est tôt. On va peut-être pouvoir reposer un chapt qu'il nous faut. On va reposer un chapt. Par contre, il faut que je le range. On a dit que c'était pattern. Pattern, you pattern. On a déjà quelques-uns normalement. Le mec qui va être là. Ouais, voilà. C'est globalement du rose. Ok, ça c'est bon. Alors, et du coup. La compétence. Elle est là. 3 de Edge et 4 de Moon. Et du coup, c'est du Illumination. Ah, on l'avait déjà à Tune, lui. Ok, très bien. On a monté de niveau, mais on l'a déjà à Tune. Pas de soucis. Cette là. Rien. Là, il y a le manganèse qui clignote. On pourrait mettre là. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous donnerait? Yes. Ouais. Sinon, c'est lui qui était de type usherie. Hein. Ouais, c'est ça. On attendait un level 3 de type usherie. Pour le mettre, je préférerais aller par là. On n'a rien en level 2 d'illumination, quoi. Non. Bah on disperse beaucoup hein, donc Ouais, mais en même temps, t'es censé avoir plein là de on peut avoir un compétences. level 3 là. On peut le mettre ici. Ouais, ici on n'aura jamais, il faut un level 4. On pourrait aller en Yggdrasil avec Colossus qu'on a monté la dernière fois. Allez, vendu. On obtient quoi? Un chapt en plus, pas mal. On va même pas avoir besoin de le reposer, on va pouvoir faire notre leçon. Excellent. Excellent! Hop là! Bah du coup go. On va faire revenir ça. On met notre petite leçon, on met notre petit souvenir, on met chapt, et c'est parti. Et on mettra le fog à dormir. Le peacock. Peacock c'est quoi une perruche? Un pan. Un paon, le paon. Les arbres de la nuit nous apprennent que la porte du paon est la plus grande porte des rêves auxquels les mortels peuvent aspirer. Je vais passer un truc. Ah, c'est là. Donc elle nous dit thank you et elle nous file un bronze. Du pour un bronze alors, hein. Il est comme ça. Ah, on a perdu la connexion au chat. Très bien, c'est revenu. Pas de lag dans le live visiblement. Et ici. Ouf. Bah tiens, du vac. Bien sûr. Bien sûr, du vac. C'est évident. Et là, 14 en lanterne. 14 en lanterne. Ouais, c'est ça, il y a ça, c'est 5 déjà. Je crois que c'est niveau skill qu'on doit être un peu faible parce que on a le Faust qui est à 2 ou le Whis qui est à 2. Donc ça veut dire qu'on peut avoir assez aisément 7. Il nous manque juste la moitié quoi. 14, c'est un peu chaud. 14, c'est un peu chaud.
C'est vrai que on pourrait faire évoluer quoi là? Éventuellement un autre else, un Srist en Srist plus et un Chapt. Éventuellement, si on trouve les bons trucs. Donc toi, t'es deux en oak, ok. Est-ce qu'on peut te mettre quelque part? Oui, mais tu vois, genre en illumination sur du level 2, quoi. Oui, ouais, effectivement. Sinon, c'est Itastri et c'est beaucoup trop loin. Qu'est-ce que tu nous donnes ici? Je vois pas y aller. Eh, un Faust, ça c'est bien ça. En plus, t'es pas du tout du bon type, mais ouais, on va prendre. On va prendre, on va prendre. Et ici, on n'a pas fini de travailler. Je crois pas que j'ai regardé ce que ça faisait le Faust. Quoique c'est. Du lanterne. C'est ça. On fait un petit peu de. Un petit peu de lettres pour les gars du cru. Pas mal. Ça me va bien. J'ai pas vu et. Ils montrent des scènes qui ne sont pas visibles aux yeux mortels sur leur reverse side. Très très bien. Mais moi, je persiste à dire qu'on devrait regarder quand même les livres parce que maintenant qu'on sait faire un Sky plus en mémoire, il y a peut-être des livres qu'on peut. On va regarder les livres. Là, on a un Sky 12 qui n'a pas été totalement enregistré. 12 de rose, non. 10 de Edge. Ouais. Non, je pense que je referai un tour quand j'aurai réussi à monter un peu de niveau des trucs là. Sûr qu'il y a moyen, on doit pouvoir refaire des montées de niveau là. Ça c'est Attune to Else. On a toujours deux Else. Le problème c'est de trouver un endroit où ça marche. Et qui permet de faire monter le Else en plus. Alors du coup, là j'ai pas regardé. Avec l'illumination là. Bah, je pense qu'avec le truc qu'on vient de faire, il y a moyen. Ça, c'est de type rose. Et Faust, c'est de type lanterne. Donc demain, on va pouvoir monter notre Faust level 2. Enfin, un deuxième Faust level 2. C'est cool, ça. Parfait. Excellent. Ça, c'est déjà une bonne chose de fait. Ici, on est sur du Auromachistry. Alors, en Auromachistry, qu'est-ce qu'on fait? Il est où? Il est là. Ces deux-là. Ça, c'est le. Martial, je crois. Non, inviolable. Metal, donc non. Et celui-là, l'autre. Il est déjà géré. Ok, donc du coup, ça, non. Ça, c'est non. Ici, il n'y a rien. Là. Tiens, un instrument qui fait du nitrodomie, tiens. Ça c'est intéressant. On vient d'en mettre un aussi là. Chaptain, Scale et Nectar. Celui-là c'est du Fête. Et l'Édicte Liminal, je crois qu'on l'a déjà consommé. Ouais. Donc éventuellement. Ça ou ça. Ouf, il est sympa elle. On dézoome, on est perdu, on est là. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire du scale, donc ça veut dire qu'on peut faire ça. Maintenant, du shaft, ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher. C'est fire, c'est forge et knock, donc ça ne marche pas. Et là, ça c'est du sky et du scale, et fait. En fait, de toute façon, on n'a que 1, donc on n'a pas moyen de l'augmenter plus. Donc raté. Raté! Itastri. C'est ici. Donc, celui-là, j'ai déjà fait. Ça, c'est quasi sûr. Ouais. Ink of Revelation, il est attuned to Faust aussi. Mais bon, on a dit que Faust, on avait déjà fait. Par contre, on pourra peut-être le monter level 4, du coup. Enfin, ou 3. Enfin, en plus. Ouais, 3.
Et celui-là, on l'a déjà fait, ok. Donc ça veut dire que là, on va peut-être pouvoir monter notre faust à fond. Enfin, à fond avec ce qu'on a pour le moment. Ici, on a encore du nyctodromie. On a dit que c'était ça. Là, ça c'est intéressant. Il y a... Ah non, on peut pas mettre lui. Il y a le knock et shaft, c'est de type knock, mais non, ça marche pas. Et lui, du coup, c'était fait, et on a dit que fait, il n'y avait pas moyen. Donc non, c'est raté. C'est raté. S'il n'y a rien. Ici, il y a du preservation. Preservation, qu'est-ce qu'on a en preservation? C'est en bas. On a Lincoln Containment. Là, mais pour l'utiliser, celle-là, en vrai, je pense. De toute façon, si on pouvait l'utiliser là, je le saurais. Ouais, voilà, c'est pas bon. Pas bon, c'est pas bon. Je pense que celui-là. Ah non, celui-là, il a tune tout short, donc on en a qu'un seul. Et celui-là, il a déjà été géré. Donc non. Préservation, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien. Ici, ça fait rien. Ici, ça fait rien. Le labo, il fait rien. Les miroirs. La nictrodomie. Alors, est-ce qu'on a un truc qui match? Pas de sky, et là, pas de nectar, pas de scale, donc non. Ici, y a rien. Ici, y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. Le phonographe, non. Ici, y a rien. Ça, c'est un lit. Ça, c'est aromaquistry. Est-ce qu'on a du nouveau en aromaquistry? Je suis pas convaincu. Ici. Non, c'est ces deux-là. C'est ces deux-là. Et donc, c'est du metal et du déjà fait, c'est ça. Donc, non. Rien là. Ça, c'est un bureau. Là aussi, il n'y a rien. Ça, c'est des bureaux. Ça, c'est du bureau. Ça, c'est du illumination. Où il y a celui-là, mais on a dit qu'on avait déjà fait un truc avec celui-là. Ouais. Et le Edict Martial. Il y a Tune to Faust aussi. On a plein de trucs à Tune to Faust, on en a trois. Ouais, celui-là, je pense que si j'avais pu l'utiliser, je l'aurais utilisé avant. Donc on va utiliser les deux autres. Donc rien d'utile ici. Scolecosophie. On n'a rien rajouté de nouveau dedans, donc ça sert à rien de regarder. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a des instruments. On a du preservation. Mais on dit qu'il n'y avait rien d'intéressant. On a du birdsong, normalement. Les birdsong, je crois pas que j'ai ajouté grand-chose non plus. Non. Pas le sky, mais on l'a déjà fait. Et ça, c'est un bureau. Là, il n'y a rien. Là, il y a le truc, mais c'est pareil. C'est du illumination, le mannequin. Ça fait rien. Le loom, ça fait rien. Ça fait rien. La cuisine, elle fait rien. Là, il n'y a rien non plus. C'est des lits. Le puits, il fait rien. Et la fonderie, elle fait rien. Donc, ok. Donc, on va pouvoir faire des fosses en haut. Mais c'est tout. C'est tout pour la journée. Enfin, c'est tout pour la journée et ce sera tout pour le demain, du coup. Demain, on s'occupe de ça. Et on fait peut-être quelques pièces, pourquoi pas. On va mettre notre fog à se reposer. Et ici, on a travaillé un peu. Bah, rien, pas de soucis. La nuit est tombée. Ah, on peut pas mettre un wither. Ah non, c'est vrai, c'est pas le bon type. Bah, on va pas sauvegarder le fog du coup, tant pis. C'est vrai qu'on ne peut mettre des souvenirs que du type, bien, comme tout le reste. Choisis notre lit. Non. Bah, ça dépend. Ah. Hop là, excusez-nous pour la petite pause tout. Du coup, on est le matin. On est le matin, on est le matin. Alors, si on voulait ouvrir des pièces, plutôt en haut. 10 en winter, 10 en forge, 10 en sky.
Tout va bien. Le bureau ne se casse pas la figure. Alors, on a un Memory 4 en Sky potentiellement, qui pourrait être intéressant. Ce qui veut dire qu'on fait 2, 4, 6, on est à 10. Donc, on pourrait faire du Sky facilement. Pas enfin, facilement. On pourrait le faire, quoi. Il nous faut juste un premier souvenir de type Sky pour le générer. Pourquoi pas. Ici, 10 de herbe, 10 de lanterne. Chaud, hein. Ça, c'est chaud. On a que 2 et en skill, on a 4. Ouais. Ça, c'est un peu tendu pour le moment. 9 de lanterne serait faisable, mais j'aimerais plutôt viser le 9 de Winter qui est gratuit du coup. 7. Ah oui, non, mais pardon, pourquoi je regarde ça? C'est des skills, je peux pas utiliser les skills pour ça, quel débile. Oui, donc non, là du coup, Sky, ça fait 2 plus 4, 6. Il faut trouver 4 ailleurs. Enfin, il a déjà 1, donc il faut trouver 3 ailleurs. Et la dernière fois, on a réussi à trouver 9, pas 10. Donc non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Du coup, on va être pareil pour le Winter. 9 de Winter. Là, on a 3. Plus, on est au printemps, donc. Bon, tu vois, c'est l'été, il y a des petites fleurs. Je sais pas. Ouais. Winter, 9 de Winter. Il part à 2, hein, le mec, donc c'est pareil que la lanterne au final. Trop de pages. Ouais, c'est ça, il part à 2 de Winter. Faudrait qu'on arrive à avoir un autre twist pour l'évoluer en fait. On aurait 4, ça serait un peu plus jouable. Parce que là, on peut avoir 5, on rajoute un souvenir à 2. Ça nous fait 7. Est-ce qu'on a un outil de type Winter? Les bottes là, c'est pas des outils. Non. Je crois que j'avais déjà regardé, on n'en a pas, mais. M'a l'air d'être compromis. Il y a des outils qui sont par là. Ah si, on a le couteau là, c'est de type Winter. Le bronze knife est de type Winter. Ok, donc on a 1. Ce qui veut dire qu'on monte à 8. Et après, il nous faut juste un truc à lui filer à boire. Voilà, après, on a la préparation de Solomon qui est à 4. Oui, donc s'il veut bien boire ça, c'est pas mal. Bon, on va essayer, tiens, est-ce qu'il veut bien boire ça? Viens mon gars, on a des trucs à... On va trinquer. On va trinquer ensemble. Tout va bien se passer. T'inquiète pas. On a de la pluie. Ouais. Un petit souvenir sans prétention. Alors, est-ce qu'on peut lui filer de la préparation de Solomon? Complètement. Du coup, il va direct à 6. On rajoute le 3, on est à 9. Bah go. N'oublie pas de faire tes fusions de machin truc. Mes fusions de machin truc. Mon Faust. Okay, c'était celui-là, je crois. C'était soit ça. Attune to Faust. C'était celui-là. Donc c'était Illumination. Donc c'était celui-là. Ok, donc du coup, on mettrait ça, on mettrait un Faust, un autre Faust, et c'est parti. Et tout le focus sur Inner Radiance. Ouais, ma Inner Radiance. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'on s'occupe de ça aussi, c'est du Knock. On a 2 de Knock, et en termes de skill, on a combien? On On a 4. Parfait. Un bureau de type Nock. Hop, j'aurais vraiment bien voulu le monter ce truc-là, mais. Le shaft, là. Ça m'embête de pas pouvoir le fusionner. Oui, ça va venir.
Pareil, est-ce qu'avec les nouveaux trucs, là, j'en vérifie, là, il faut de la corruption et du knock. Non, de la malédiction et du knock. Donc non, et là, Earth, non, c'est pas possible. Peut-être avec un bon souvenir à un moment. Là, il faut de l'infestation et du winter, donc on n'a rien de nouveau là-dessus. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Cataloguer? Bienvenue, Cataloguer? enfin. Allez, cataloguons. On va cataloguer pour Chobiti. Avec un fait. Alors, en fait, c'est quoi? Rosemos, ouais, c'est parti. Hop. Ici. On met ça. Alors, il faut qu'on garde notre twist, bien sûr. Mettons ce triste. Et on va attendre un peu de voir Mastery ici. On va cataloguer au dernier moment si besoin. On va voir un peu ce qu'on ouvre comme ça. Les... Alors la question c'est est-ce qu'on veut aller à 10? Bah, s'il a dit sur... À 10 on peut ouvrir ces deux salles. Parce que là je vais monter à 9 en mettant même pas de souvenirs. Donc on rajoute un souvenir, on peut aller à 11 quoi. Delivery from Ah oui. TRM Limited. Ça y est, il est arrivé. Et Ruffelsag. Toujours pas de laverie pour les draps. Alors du coup, si, je l'ai dit en début de live, je crois. J'ai cherché du coup, parce que je ne comprenais pas le concept. Et en fait, pour laver les draps, il faut les filer à la taverne. Et pour un shilling, il te les lave. Un shilling, c'est 12 pence. Donc, c'est ce qu'il faut pour engager un des mecs là. Tout ça pour redormir une fois dans un lit et reposer un souvenir en 1 minute 30. Alors que tu peux payer 2 pence pour le reposer en 30 secondes, en 60 secondes à la taverne. C'est absolument pas rentable. Oui, mais des draps propres, hein? Des draps propres. Des draps propres, c'est des draps propres. Mais c'est absolument pas rentable. Ah non, t'inquiète, Falsag, hein, ça me dérange pas de répéter. Hein. Au contraire, j'aime bien quand il y a des questions dans le chat. Mais non, c'est pas du tout rentable, ouais. Vraiment, vraiment pas. Alors, 14 en moon. Ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être faire. En moon, on est quand même pas mal. Et là, 8 en scale, on sait faire ici en grec. Et ça parle des histoires de pierre. Ah, incroyable. C'est du Dawn, non? Non, c'est Solar Gothic. 8 en scale, ouais, on doit pouvoir, surtout que maintenant on a... Ah non, c'est vrai que lui, même monté de niveau, il est toujours à 1. Mais par contre, en termes de skill, on a 4, on a 4, 4 et 1, 5, on a un outil assez facile, et on a des... Est-ce qu'on a des souvenirs à 2 en scale? Ouais, Fear, il a 2 en scale. Ouais, donc ça se fait. Même se faire aujourd'hui, je pense. Tant celui-là, peut-être un peu plus compliqué. Mais celui-là, il peut se faire aujourd'hui. Il nous faut un fear. C'est parti pour un fear. On va le lire avec un else. Hop, en avant. C'est cool d'avoir pu faire de la musique et un film, plus qu'à utiliser les jardins. Ben, j'ai essayé les jardins dans un autre live précédent. Et en fait, en gros. Pour le moment, alors peut-être que là on est en printemps, ça serait plus, il y aurait plus de trucs, mais n'est pas en du mal, hein, donc. Tu vois, on va pouvoir faire des quêtes clos là. Il y a un chat qui crie. En gros, tu mets un skill de type n'importe quoi, un skill de type nectar, et ça te fait une plante. Et du coup, tu vois, j'en ai fait là, par exemple, des trumpeter lily, ça te fait une plante, quoi. C'est juste ça. Donc c'est pas. Sachant que les plantes, pour le moment, à part éventuellement les utiliser dans le labo, on peut pas en faire grand-chose. On peut pas les donner aux mecs pour augmenter leurs compétences ou quoi que ce soit. C'est moyennement intéressant. Et on a essayé les différents trucs qui donnent les mêmes fleurs, en fait. Si je clique sur ça ou. Sur ça. Ah, c'est pas tout à fait la même là du coup.
C'est pas tout à fait la même. Mais on tombe sur le principe que c'est des plantes et qu'on sait pas quoi en foutre, quoi. Je peux les offrir à Chobiti, c'est vrai. Ah tiens, on en a commandé deux, c'est pour ça que c'est aussi cher. On a commandé deux et on peut les stacker. On peut les stacker. Attendez, on peut les stacker. J'avais un cocoa, je l'ai mis où? Je l'ai préparé. Non, il est là. D'accord, donc là ils sont stackés. Ah non, ils sont pas stackés. Et juste que c'était stacké dans le colis. Donc là on est à 9. On a reçu 2 chocolats. Petit qui crie, mais comme elle est à l'entrée de la pièce, vous l'entendez pas. Bon, bah on va faire le 9. On sait qu'on peut facilement faire la suite. Tac, tac, tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Non, je vais pas manger de chocolat. Obiti, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais recrafter du Engrao. Et je vais aller reposer mon Whist. Mon Whist plus. Là. Ah, j'en ai plus d'avance. Zut. On m'a pas mis dans la cuisine? Non, du Engrao, non. Je peux utiliser genre une grappe de raisin. Il faut une boisson, quoi. Le mec, il fait une sieste que avec une boisson, quoi. Bravo. Ah, c'est pas grave, on va attendre de la crafter. On va la reposer. Et pourquoi on le repose? Je sais plus. Parce qu'on avait un truc à commencer. Ouais, non, c'était à 14. Pourquoi je veux le reposer? Ah oui, parce que je voulais refaire du Solomon. Je voulais refaire une préparation de Solomon. Il faut 10. Et pour le coup, tu vois, il faut 10 et des plantes. Donc là, les plantes vont nous servir. Mais bon, c'est une fois tous les 3-4 jours, quoi. Là, il se passe quoi, là? Ah putain, on n'a pas ce qu'il faut, là. Merde, j'ai pas percuté. Hop là, un soul. Normal, on n'a pas bien compté, visiblement. Je pensais à 6 et c'était. Non, mais là c'est bon, j'ai mis un soul et on est passé. Et juste, j'ai vu qu'il y avait la jauge qui se remplissait, je me suis dit, comment ça se fait? Il devrait y avoir 2 fois 60 et. Mais c'est bon, on a pu la voir. On a dû rater le slot memory, mais on a eu le slot. Le slot qui va bien là, et on va le masteriser. Voilà. Alors, Jeffrey discute les signes vivants, des signes qui changent tout seul de forme, et dont la flexibilité est, fait partie de ce qui les rend identifiables. Et c'est un pattern. Alors, c'était quoi le livre? Cardia Le troisième volume. Delight. Le troisième volume. Attends, Ça veut traduire, c'est ça? D'accord. des dialogues théologie hypothétique de Abbot Jeffreys. J'avoue. Pattern, c'est 2 de Nock et 1 de Forge. Du coup, ça nous fait 2 leçons. Ok. Et Pattern, il est par là. Hop, en avant. Alors, par contre, du coup, c'est de quel le type? Ah, c'est Grail, donc on pourrait utiliser ça. Mais je crois qu'on a déjà un petit niveau en truc comme ça. Non, on est niveau 1. Il est où? Je le Il vois est pas. à gauche. Il est là. On est niveau 1, donc ça veut dire que déjà on pourrait le faire assez facilement avec ça. Notre dernier chapitre. C'est parti. Et ça, je pense qu'on l'attendait pour le monter, pour pouvoir le mettre dans l'arbre. Donc c'est plutôt cool. Et notre souvenir fier, on est où là? Ah, il est là. Voilà. Et du coup, on va pouvoir lancer. C'est ici qu'on fait du scale, ce livre-là. Donc on est à 8, pas à 6. Pas n'importe quoi. On va mettre un else de base, vu que de toute façon c'est 1 de scale dans tous les cas.
Et là, on est à 7. Donc, si on rajoute un petit couteau. Alors, c'est pas ce couteau-là, je crois pas. Non, c'est pas le couteau, c'est le sablier. On rajoute le sablier. Il faut toujours avoir, c'est L le couteau et c'est Scale le sablier. Voilà. C'est parti. En avant. Et donc là, on va le passer level 3, non 2. Là, on l'a passé level 2, donc il nous faut deux souvenirs. Il nous faut deux souvenirs plus un truc de type Grail, donc ça. Donc il faut qu'on génère deux souvenirs avec le reste. Sachant que Faust, on va pouvoir potentiellement le transformer en Faust +++, donc avec ces trois là. Ça paraît jouable. Déjà on va refaire un Fear. Ça paraît la base. Hop. Et un autre Fear, Chubity. Tu veux du quoi? Du Nock. Pourquoi je fais un Fear? Bah oui, c'est ça, tu me dis Fear. Non, il me faut du Grail ou du... Du Nock. Non, je fais de la merde. Bah, tu peux prendre Pattern. Je vais faire ça. Du coup, avec lui. Et on va être pile poil, du coup. Donc, bon, bah, voilà. On sera pile poil comme on est. Pattern, hein, tu m'as dit. Pattern. Du coup, il faut le lire à un endroit où il y a du forge, c'est-à-dire ici. En avant. Bon, on va générer un fear qui nous servira pour autre chose. Et du coup, on va pas pouvoir cataloguer ce livre. Terrible, terrible. Tu peux pas faire dodo ? Juste pour cataloguer. Non, ça va aller, il nous en reste 3. Et du coup, d'ailleurs, t'as pas ouvert ta on vient d'avoir la sonnerie là. Donc ça c'est fait. On n'a pas les souvenirs, donc c'est pas la peine de le faire tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on a? Des livres. Du papier, une encre, une grosse bougie. Ah non, un bureau, excellent. Le bureau de l'abbesse Nona. Ça c'est quoi, du café? Non, un thé, plein de thé, des bougies. Une grosse bibliothèque immense, alors qu'on peut pas mettre de livres au-dessus, c'est dommage. Et donc on a un autre bureau, de type nectar, excellent, on va pouvoir travailler sur le nectar, ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon ça. La statue de la dame, ça fait partie du bureau? C'est juste une statue. D'accord. Hop là, on a notre Ingrao, on va aller faire une déco à midi, on peut faire une sieste. N'empêche, en 1993, deux filles jumelles ont été admises chez les sœurs, là, et donc du coup étaient toutes les deux nommées Mathilda. Elles se font pas casser le cul, hein, là, les bonnes, non? Ah ben on sait pas les différencier, on les appelle toutes les deux Mathilda. Ben ouais. Ah bah quand t'as plein d'enfants à gérer, hein, tu fais comme tu peux. Ah, on a l'autre colis qui est arrivé. Hop. Donc là, venez là, vous. Voilà. Allez, on va générer le souvenir juste après avoir ouvert le colis, c'est parfait. On en est où de notre truc là? 30 secondes. 30 secondes qui restent. Moustique. Il l'a eu, bien joué. Et ici, on avait un petit T. Comme ça, on a un petit T d'avance. Oui, je vais fermer. Il y a une paire, on va dire déjà. Alors, ici, on a nos souvenirs. Encore un souvenir. Et le dernier truc, c'est quoi? Encore un souvenir. Pourquoi j'ai un memory satisfaction là?
C'est le truc que j'ai masterisé. Mais si je l'ai masterisé, pourquoi il est pas venu dans mon inventaire? Ah non, j'ai pas eu de leçon, donc non. Pourquoi j'ai fait un satisfaction? Je sais pas. Est-ce que je me suis planté? Oui, si, c'est celui que je... Oui, c'est ça, je m'étais planté. Je m'étais planté, je pensais faire un... Non, bah non, c'était bon. Je pensais que j'avais fait un fear et que je m'étais planté. Si, j'avais fait un fear et je me suis planté. Non, c'est ça. Le fear, il est en trop. Le satisfaction, il est bon. Waouh, la vache. Il est tard, là. Ça commence à se sentir. Donc là, on est bon. Il nous faut le satisfaction et ça, et ça. Et on est parti. On peut le monter au level 3. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Bah, c'est parce que tu Pas fais de plein de trucs panique. en une journée, alors. Bah ouais, on fait plein de trucs en une journée, tout à fait. C'est vrai que ça prend du temps. Quoi? Et salut Aqueuse, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Tu as terminé ton propre live. Alors j'ai vu que tu livais quand je bosse, des fois je passe sur l'instance voir comment ça se passe. J'ai vu que tu livais tout le temps, tous les jours. C'est ouf, hein. Je sais pas comment tu fais. Et bienvenue du coup, une nouvelle fois. Et on a amélioré notre Faust. Et donc normalement, on devait pouvoir l'améliorer. Je sais plus si c'était sur celui-là. Alors, on va regarder. Attune by Faust, c'est Ikestri, c'est ça. Donc normalement, c'est celui-là. Donc là, on peut direct le lancer. Alors, ça va prendre la nuit, hein, mais... Non, c'était pas lui, zut. On avait un autre, un skill qui était Attuned by Faust. Il est où? Il doit être en train d'être consommé quelque part. Je ne sais pas où. Oui, c'était le truc de Feather là. Tu traînes en faisant de la maintenance sur un site? Je comprends ça, le genre de truc que tu peux faire tranquille. C'est peut-être ici qu'on pouvait le refaire. Non, parce que c'est pas l'illumination ici. Si, c'est de l'illumination, mais c'est du castri qu'il nous faut. C'est ça. Ouais, non, je suis quasiment sûr d'avoir vu qu'on pouvait le faire, mais est-ce que je me serais planté? Je les ai foutus mes plumes là. Je suis en train de m'en servir pour quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non, c'est Attune to Fate. Alors, c'est quoi le troisième truc qui était Attune to Faust là? Ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui et lui, c'est de l'illumination. Du coup, est-ce que ce serait là? Mais il est pas bon. Il est pas bon. Il est pas bon. Il est pas bon. L'illumination, c'est aussi ça. Donc là, c'est bon. Par contre, c'est eux qui sont plus bons. Et l'autre mannequin d'entraînement, là. Là, ça passe. Lanterne, lanterne. Et trucs comme ça. Voilà. On va focus notre inner radiance de nouveau. Ah, j'ai cru que j'avais foiré mes calculs. Ce qui n'aurait pas été très étonnant. Il y a tellement de trucs à gérer pour Allez. calculer si on peut réussir à faire les améliorations. Déjà, je trouve que t'arrives à faire un truc en une journée. Il y a des fois, je me dis, ce serait moi. Je verrais qu'une porte par jour, pas deux ou trois, comme t'arrives à faire les calculs en mode je génère les mémories, les souvenirs, les trucs. Ou des fois. Bah après, toujours pareil, hein, c'est un jeu où on peut clairement jouer tranquille, il n'y a pas de limite de temps. Faut pas se sentir obligé de tracer quoi. Vous voulez faire quoi? On voulait mettre ça. Alors non, c'était pas. Ah non, c'est un beuverage qu'il faut mettre. C'est pas celui-là où il fait de la plante. Il faut un beverage. On va prendre un beverage. On a du thé doux. On avait plein de thé là dans la. Ici là. C'est quoi comme thé? Ouais, c'est un truc à 1.
On va faire. Hop. La prochaine fois, on prendra du. Use this with a beverage. Ah non, ça marche pas. Bah oui, là, il te dit, regarde, il te dit que t'as pas la fleur sur le côté. Ah oui, bah pourquoi il veut pas du coup ? Flower. Alors, c'était peut-être pas une flower que j'ai pris là ? C'est un vase qui était pas de type flower. Merde, je l'ai mis où ? Bon, peu importe, on a des flowers de toute façon, c'est en généré. Ça, c'est une flower. Voilà, ok. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais on est d'accord, on prépare la Solomon préparation. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Et donc du coup, la tasse de thé, on va la remettre, comme ça on la retrouvera. Devant la petite chaise. La sympathique petite chaise. Qu'est-ce qui se passe ? On a masterisé ça. Une prière décrit... Comment suffisamment d'aspects de la lune peuvent être utilisés avec Tridesmaya pour faire sortir un œuf. Avec n'importe quel œuf. Tridesmaya, c'est quoi ça Tridesmaya? Parce qu'on a vu qu'avec le moon on pouvait... Mais ça marchait plus, pourquoi ? Parce qu'on pouvait pas mettre l'œuf, je crois. Ouais, c'était ça, je crois. Après, on a... ça c'est intéressant parce que c'est presque n'importe quel œuf. Donc pourquoi pas ? On va déjà noter le livre. Donc le livre, c'est Acid Supplication. Alors, hop, carnet. Une nouvelle page du petit carnet. Acid. Et on a un impulse. Impulse, ça fait du MOS 2. Et un hectare. Voilà, un hectare, parfait. Et alors là, le son. Le truc avec les pierres, ouais, c'est ça. Ok. Ok. On va la ranger, mais je crois que notre truc d'impulse il doit commencer à être plein. C'est là, non ? Non, ici. C'est... Ouais, on peut en mettre encore un peu. Allez, vendu, on en met un de plus. Du coup, on pourrait presque faire directement le level 1. Alors déjà, on va faire celui-là, et après... Il nous faudrait un truc reposé de type nectar ou scale, donc ça veut dire forcément un else. On va aller reposer vite fait un else à la taverne. On va profiter qu'on a des souvenirs pour faire ça avant la fin de la nuit. Enfin, avant la fin de la journée, puisqu'on n'est pas encore la nuit. Et on va essayer de voir, est-ce que je peux garder ce souvenir-là, cette nuit ? J'avais une chair de... Non, je peux pas. J'avais ni une... celui-là, ni celui-là. Bon. T'as réussi à avoir ton écharde ? Oui. Parfait. Stone Story. C'est du effective again infestation. Mais non, c'est toujours pas du winter, dommage. Dommage, dommage. Alors du coup, l'œuf, est-ce qu'il est considéré comme remain ? Non, il est considéré comme egg, cooking ingredient et subtenance. Viper egg. Et le viper egg, il est brewable. Je suis pas sûr que ça nous aide beaucoup plus. Du coup, en gros, on peut utiliser ça dans la cuisine. Mais dans la cuisine, on peut pas mettre de moon. Ça, c'est de type moon et moss, donc non. Et notre whist est type lanterne et winter, donc non, ça marche pas. Non, c'est le seul qui a du moon, lui. C'est le seul qui a du moon.
Alors le workbench, éventuellement, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le workbench? Non, c'est vraiment de... Du bois du chaud. bois. Là, on peut mettre... Tu peux mettre un gros bois? C'est con, c'est con. on peut mettre, si, on peut mettre Devotion, on peut mettre un chien ici. Marrant. Ouais, bah... mettre le chien. Ça nous donne un petit potentiel de départ. Ok, pourquoi pas. C'est intéressant. Je savais que je l'avais vu quelque part, ce symbole. Là, j'imagine que c'est pareil. C'est un hôtel. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une substance liquide, mais c'est pas liquide, c'est brewable. Non, la chaise de barbier, je vois pas trop. Je vois pas trop ce qu'on foutrait avec ça. Ici peut-être des restes. Matériaux, outils, carcasses. Non plus. Ici, bon, on verra plus tard. Comment on fait éclore ce foutu œuf, quoi? Sérieusement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis bien en peine de faire éclore des œufs. Ce serait classe d'avoir un basilic dans notre bibliothèque quand même. Bon, un basilic, hein. Mettons un petit serpent. Ah. Tu crois qu'on peut faire éclore un chat? Oui, on éclaire un chat. Ça me paraît relativement improbable malheureusement. Mais on a réussi à faire éclore un chien. On n'a pas fait éclore un chien, on a trouvé un chien à moitié mort de faim dans la forêt. Bah, trouve-moi un chat à moitié mort de faim dans la forêt. Éventuellement. Une poule, attends, hein. Pas le CERG, il y a le challenge dans tout ça. Hein. Alors on peut le cuisiner l'œuf, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on veut quoi. Après on peut essayer, hein. Là c'était Moon, mais il y a peut-être d'autres trucs qui permettraient de faire ça. Hein. Ah, que je revérifie que c'est bien Moon déjà. Peut-être Furin Feather là. Non, il faut un soul pour avoir les idées de ce qu'on peut faire. Et ici, on a notre petite préparation de Solomon. Alors du coup, on va retourner la mettre en bas. Oula. Le petit lag. Voilà, comme ça clignotera quand je chercherai dans le coin. Et donc ça c'est level 2. Alors c'est level 2 et c'est de quel type? Préservation et burn song. Alors regardons un peu. Et regardons un peu. Donc burn song, il nous faudrait du level 3. C'est mort. Préservation carrément du level 4. Alors est-ce que la marque là, on a monté de niveau aujourd'hui, elle peut nous servir dans Usherie. Ça c'est intéressant, un petit niveau 3 dans Usherie là. On pourrait mettre la marque. Pourquoi on peut pas mettre la marque? Ah, on l'a déjà attuned quelque part. Ah bah oui, on l'a attuned en usherie de base, donc tant pis. Du coup, ça marche pas. Et elle est liée à Srist, qui est de type Moon et Moss, alors que elle est... Nock et Grail, ouais. Ouais, pas simple. Pas simple, tout de suite. Y a un truc usherie dans un coin, là. Ça, c'est usherie. Ouais, mais il y a que deux aspects. Hein. C'est même pas la peine de rêver. Hein. Sky et Scale. Hein. Là, on n'avait rien débloqué. Là, le bureau, non. Ouais. Il y a des combinaisons qui sont hyper tendues à trouver. Hein. C'est bizarre, hein, parce que techniquement, les aspects qu'on a dépendent du skill qu'on met. On avait essayé avec Chobiti, c'est dans le même emplacement, mais deux skills différents, ça donne pas le même truc, quoi. Ce qui laisse sous-entendre que normalement, ça devrait être plus ou moins lié. Mais pas tant, semble-t-il. Pas tant, pas tant. Bah, tu développes peut-être les bureaux de manière plus ou moins scriptée. Oui, après, il y a encore beaucoup de bureaux possibles à trouver, on est d'accord, hein. Bah, je crois qu'on a terminé pour la journée.
qu'on peut garder un de nos mémories? Non, normalement non. J'ai regardé. Ouais. On a aucun qui clignote, on peut pas. On ne peut pas. Il est nul, Soli. Bah, il est bien pour certains souvenirs, pas pour d'autres, quoi. Ah, c'est vrai qu'il commence à être un peu moins utile pour ces souvenirs-là, parce que c'est là où on est le plus fort, on pourrait bouger, hein. Ce serait pas totalement déconnant. Allez, c'est le matin. Hop là. Voilà, on va attendre de voir un petit peu ce que nous réserve la journée. Ça va être ensoleillé. Non, c'est de la pluie. C'est de la pluie encore. Du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Si tu veux dire au revoir dans le chat, Falsea, Gakeuse ou quelqu'un d'autre. Je bois mon petit coup d'eau comme d'habitude avant. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous a plu. Normalement, on a bientôt un Faust qui devrait sortir de quelque part, ici. Combien de temps? 18 secondes, et bon, on le verra la prochaine fois. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!